bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour faire un pain cocotte au barbecue évidemment. Le pain, c'est le partage, la convivialité. Le barbecue, c'est également la convivialité. Tout le monde qui vient autour du barbecue, qui discute, ce sont les réunions de famille. Donc, un pain au barbecue, ben, je pense que c'est vraiment le truc le plus convivial qui puisse exister. Et pourtant, c'est très simple avec une cocotte. Donc, c'est très simple à faire. J'avais déjà fait un article il y a 5 ans sur le blog. J'avais pas encore la chaîne YouTube. Donc, maintenant, je fais la recette qui marche vraiment très, très bien quand j'ai vraiment plusieurs amis qui viennent et tout. J'en fais un et c'est vraiment très simple. J'adore la boulangerie. Il y avait déjà des vidéos sur ma chaîne YouTube sur le buns parfait. J'avais fait également sur le pain bretzel. Donc, moi, j'adore ça. Les techniques sont toujours très simples. Très peu d'ingrédients, mais il y a vraiment une méthodologie à avoir. On va commencer par la liste des ingrédients maintenant. Donc pour un pain moyen de 6-8 personnes, ça dépend ce que vous mangez, il va vous falloir 500 g de farine, T55 c'est très bien. Il va vous falloir 320 ml d'eau au tiède, 10 g de sel. Et ici j'ai mis 8 g de levure sèche. Si vous prenez de la fraîche, vous pouvez, donc on multiplie toujours par 2,5, donc vous êtes plutôt à 20 g. Donc dans un premier temps, toujours la même chose, je vais venir mélanger la levure dans l'eau comme ça. Et je vais attendre environ, 5-10 minutes. Donc je mélange bien, que ça vienne faire des petites bulles à la surface. Ça veut dire que ça a activé. Donc faites attention, cette eau-là, il ne faut pas qu'elle soit trop froide. Sinon ça ne va pas activer les levures. Et il ne faut pas que ce soit trop chaud. Sinon ça va les détruire, au contraire. Donc moi, ce que je préconise, c'est d'avoir une eau à environ 30-32 degrés comme ça. Voilà, donc je vais pouvoir le laisser un petit peu. Je mélange bien, je m'assure que tout soit bien dissous. La deuxième chose à faire, c'est à respecter bien l'ordre des ingrédients parce que levure et sel ne font jamais bon ménage. Donc on va commencer par mettre les 10 g de sel au fond de la cuve du bol de KitchenAid et je vais pouvoir ajouter les 500 g de farine. Ouais, une fois que j'ai bien activé mes levures, je vais pouvoir mettre le crochet hein, ici sur le bol du KitchenAid. Vous pouvez le faire également à la main si vous voulez. Vous allez pouvoir tourner et ajouter au fur et à mesure l'eau jusqu'à temps que la pâte se décroche bien du bord du bol. Une fois qu'elle est bien amalgamée, comme ça, que ça se décroche bien du bord, je la laisse encore pétrir, allez, on va dire 5 minutes, hein, pas plus. Voilà à quoi ressemble notre pâton maintenant, donc je laisse dans le bol, je vais pouvoir mettre un torchon sur le dessus comme ça, puis vous voyez ici j'ai un petit peu d'eau, je vais pouvoir mettre quelques gouttes comme ça pour vraiment pour permettre d'humidifier bien la surface du pâton et éviter qu'il ne croûte de trop. Donc voilà, juste comme ça c'est bon. Et ensuite on va pouvoir faire la première pousse, alors pour ça je vais mettre bien le torchon en dessous comme ça et là je vais juste allumer les lumières du four, je mets pas de température, ça va être la température parfaite pour faire la première pousse et je laisse comme ça pendant environ 1h30 à 2h. Voilà, on voit que la pâte a bien gonflé donc je vais pouvoir la dégazer comme ça, la ressortir et sur un plan qui est fariné, la retravailler encore un petit peu. Voilà, là on voit ici que le réseau de gluten s'est bien développé. Et donc je vais pouvoir la travailler un tout petit peu, chasser un tout petit peu l'air. Voilà, en faire une belle boule, donc en rabattant toujours vers l'intérieur. Hein. Voilà. Voilà, une fois que j'ai une belle boule comme ça, je vais la laisser encore pendant 1 heure pour bien gonfler. Pendant la deuxième phase de pousse, comme tout à l'heure, je peux venir mettre un linge avec un petit peu d'eau, la laisser à température ambiante ou dans le four avec juste la lumière allumée. Allez, on se retrouve à l'extérieur, je vais pouvoir disposer du coup une cheminée d'allumage pour une cuisson indirecte et on va faire une cuisson à environ 230 degrés, donc il faut que ça chauffe vraiment bien. Allez, on va passer à la cuisson, donc sur une cocotte froide, on peut faire un départ à froid comme ça, alors vous voyez la mienne, elle réfléchit bien la lumière du soleil ici parce qu'à chaque fois, après cuisson, je passe un petit coup d'huile neutre, donc ça colle absolument pas, on peut venir mettre un petit peu de papier sulfurisé ou sinon un petit peu de farine. On reconnaît une bonne cocotte quand il y a des picots ici, parce qu'en fait l'humidité qui va être générée par la cuisson, elle va venir s'agglomérer ici, et ensuite bah, par le biais des petits picots, ça va redescendre, et ça va toujours hydrater votre aliment. Et là, le fait que la poignée soit en un seul élément par rapport au couvercle aussi, c'est un très bon élément pour dire que c'est une bonne cocotte. Voilà, je peux disposer
mon pain ici. Alors, je vais leur donner une petite forme sympa. Après, comme c'est du pain maison, je trouve ça beau aussi quand il n'est pas parfait, parfait, parfait. Avec un chinois comme ça, je vais venir mettre un petit peu de farine. Voilà, pas plus. Et je vais venir faire une forme. Donc, je sais pas, par exemple, on va faire... Et donc, ce qui est bien, c'est qu'avec le système GBS, donc c'est le trou à l'intérieur de la grille, comme ça, je vais pouvoir disposer la marmite, la cocotte qui tombe pile poil. Et donc, on va laisser cuire 230 degrés comme ça pendant environ 35 minutes sans rien toucher et sans surtout ouvrir le barbecue. Allez, ça fait 35 minutes, on va regarder ce que ça donne. Ouais, super! Alors ça c'est un peu chaud. Alors là ce que l'on va faire c'est sur le dernier quart d'heure, en fait on va laisser toujours en cuisson, mais vraiment pour qu'il prenne une belle couleur maintenant. Hein, donc là il a bien gonflé, ouais, il va être top. On le tourne d'un quart de tour parce que la cuisson n'est jamais pareille bah, sur un barbecue. Hein, donc là on voit que c'est un petit peu plus, hop regardez, vous voyez ici c'est un petit peu plus marron parce que c'était côté briquette. Donc je vais le mettre comme ça et puis là vraiment ce que je veux c'est une belle coloration pendant encore 10 minutes, un quart d'heure. Allez, on va regarder tout ça. Ouais, voilà, là il a pris la belle coloration comme on voulait. Donc là c'est le moment de sortir le pain et de le mettre sur une grille comme ça hein, pour éviter la condensation. Donc on va le laisser un petit peu refroidir. Et là on peut faire le moment un peu ASMR de la vidéo comme ça. Donc prenez le temps de monter le son de votre appareil et regardez, on sait qu'un pain est cuit quand ça sonne creux. Allez, maintenant on va pouvoir le couper pour voir. Vous entendez le bruit là ? Il est bien croustillant. Voilà. Et regardez ici comment c'est alvéolé. Voilà. Magnifique. Et ici au plein milieu. Regardez. Voilà. Magnifique là. C'est exactement ça que l'on doit avoir. Et avec ça, une mie alvéolée, là, vous voyez bien tous les trous partout. Je suis sûr que vous n'allez plus jamais aller chez le boulanger et que vous allez pouvoir impressionner vos amis avec du pain cocotte fait maison. Quand je dis ne plus aller chez le boulanger, c'est vraiment une blague. L'important, c'est vraiment d'avoir ce sentiment de fierté, d'avoir fait une belle chose de ses propres mains, quelque chose de vraiment original, du pain dans un barbecue. Et ça, vraiment, c'est la recette typique et en plus hyper conviviale. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai que c'est très simple. Il vous faut de la levure, du sel, de la farine, de l'eau. Il n'y a que 4 ingrédients, mais il y a des livres entiers. Il y a un métier, le métier de boulanger, de pizzaïolo, qui sont faits autour de ces 4 ingrédients. Parce qu'il faut vraiment bien suivre la démarche que je vous ai expliquée dans cette vidéo. Et si tu veux d'autres recettes, astuces au barbecue, à la plancha qui change des saucisses et des brochettes, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt !